Bonjour à tous. Voilà, j'ai encore craqué. J'ai craqué pour le site Everything 5 Pounds. J'ai acheté 6 choses, je crois. La dernière fois, j'avais acheté beaucoup plus. Comme d'habitude, Pixie va foutre le bordel. Vous êtes au courant. Elle attend déjà que je retire les paquets pour pouvoir s'amuser dans les papiers qui font du bruit. Bref, donc cette fois-ci, j'ai acheté 6 choses. 2 chaussures, une tenue de sport et des robes et puis des hauts, je crois. Donc c'est parti. Alors j'ai juste ouvert un petit peu avant pour pas vous faire attendre. Par contre j'ai pas ouvert les vêtements. Alors ce que je vais faire, je vais dans quel sens, je vais me pousser un petit peu comme ça sur le côté. Je vais mettre les vidéos de les plus essayées. Alors qu'est-ce que je prends en premier? Donc ça c'était une petite robe. Tiens, j'ouvre. Une petite robe orange. Ouh, elle me paraît longue. Elle me paraît longue. Quoique. Quoique, quoique. Alors, est-ce qu'il y a la marque? La marque, c'est N. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. En tout cas, ouais, elle va être vachement longue, je pense. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo portée. Ensuite, le petit haut. Le petit haut. J'adore cette matière. J'espère qu'il va m'aller parce que j'adore vraiment ces matières-là. C'est très agréable à porter. Donc c'est un petit haut qui se noue en bas. Et qui est dans une matière un petit peu satin et qui a l'encolure perle. Alors par contre, ouais, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des perles qui sont ici notamment, qui sont abîmées. On voit plus. Il y a la petite partie corail qui est partie. Bon. J'ai essayé de les tourner et puis on l'essaye ensemble, on voit ce que ça donne. Ensuite, oui, la petite robe à pois dorés. Donc c'est à la mode. Ah, j'ai pas regardé la. La marque Purple Flame. Je connais pas non plus cette marque, hein, Purple Flame. Inconnue au bataillon. Et là, c'est Cherry Coco. Hop. Voilà, une petite robe. Voilà, on en a vu partout hein, dernièrement, des robes comme ça. J'en ai une noire, mais j'en avais pas de beige. Donc, bah écoutez, à voir. Ça me paraît quand même très transparent. S'il y a de la lumière derrière, on voit tout, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Et il doit y avoir la tenue de sport. Là. 36-42, ça me paraît vraiment large comme taille. Même si c'est extensible. Enfin, une fille qui fait du 36 et une fille qui fait du 42, c'est quand même pas une taille, mais enfin bon. Allez, lâche! Ah, vas-y, tiens, prends-le. Pixie! Alors, c'est la marque Stretch Fit. Non, Pixie, par contre, chut. Pixie! Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc, voilà, Sport Zone. Marque Sport Zone. Pas Stretch. Marque Sport Zone. Ça me paraît très très rose fluo. Ça avait pas l'air rose fluo comme ça sur la photo. Alors moi j'aime pas trop quand on me voit à 10 km. Je suis quelqu'un quand je vais au sport qui aime bien être passé inaperçu. Alors ouais, c'est très rose fluo. Hein. Très rose fluo.
Et puis alors le petit top qui va avec ça, je suis pas sûre de le mettre parce que j'ai pas un ventre assez plat, je trouve, pour mettre ce genre de petit haut et puis avoir le ventre à l'air. Donc bon, peut-être que je mettrai un haut par-dessus, je sais pas, on verra. Ouais. Et on passe aux chaussures. Alors, hop, j'avais pris une paire de chaussures et une paire de tongs. Encore faut-il que j'arrive à la sortir du paquet. Hop, ici. Alors. Bon, les chaussures, comme... Oh, ça sent pas bon. Mais comme d'habitude, sur ce site, faut pas espérer avoir des chaussures de marque. C'est toujours... Je n'ai eu pour l'instant que du chinois. J'ai acheté des dizaines de paires. Donc, c'est toujours du chinois, les chaussures. Voilà, c'est... vous le savez. Ça vaut son prix, du coup. Hop, alors elles sont comme ceci. Ça va être bien pour la danse. Après, est-ce que je les mettrai en soirée? Je sais pas. Elles sont jolies. Pas trop hautes. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau de la taille du talon, c'est nickel. Elles sont rembourrées à l'intérieur. Bon, bah, voilà, à essayer. Et puis, je sais pas si je les utiliserai pour la danse ou pour le... ou pour une soirée. Je regarde que la deuxième va bien aussi. Ouais, pareil. Elles sont mignonnes. C'est pas les chaussures de l'année, mais ça va. Hop, et donc, en dernier, les tongs. C'est moi qui me suis gourée ou il me semblait que j'avais pris du argenté, pas du doré. Bon. Je... à voir, mais il me semble que j'avais pris de l'argenté parce que j'ai déjà du doré. Bon, bref. Elles sont jolies quand même. C'est des tongs à double lanière, comme ça. Voilà. Bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça brille bien. Bon, c'est plus trop l'époque, hein, on arrive à l'automne, mais bon, c'est pas grave, elles serviront l'année prochaine. Je les ai trouvées jolies, donc voilà. Bah oui, ça a été rapide, on a fait le tour, mais il n'y en avait que 6. Que, entre guillemets. J'ai pas trop dépensé cette fois-ci, parce que quand je vais sur ce site-là, d'habitude, ça peut monter beaucoup plus. Mais là, bon, je me suis dit qu'il fallait être raisonnable. Mais écoutez, la vidéo est terminée, du coup. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les louper. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.